Le 27 septembre 2014, le Premier ministre indien Narendra Modi a proposé une journée internationale du yoga à l'Assemblée générale des Nations unies. Aujourd'hui, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre sujet. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la médecine holistique, de notre unité avec la nature ou d'un certain retour aux sources, je souhaiterais m'exprimer tout particulièrement sur ces sujets. Cadeau ancien, traditionnel et inestimable, le yoga symbolise l'équilibre entre le corps et l'esprit, la pensée et l'action, la réalisation et le self-control, ainsi que l'union de l'homme et de la nature. En transformant notre mode de vie, le yoga peut nous aider dans notre lutte contre le changement climatique. Le yoga signifie l'unité et l'amour. Et de commencer à pratiquer le yoga, et la vie est devenue plus radieuse, elle a plus de sens. J'ai commencé à entrevoir ce qu'est le vrai yoga, cette union entre nous et le divin. La pratique du yoga conduit à l'équilibre, au bien-être, au bonheur et à la liberté de vivre pleinement. Avec de plus en plus d'adeptes du yoga à travers le monde, il est possible que nous assistions à un changement de conscience globale menant à une planète plus en équilibre, plus en harmonie. Les pratiquants du yoga deviennent des consommateurs plus responsables, conscients de l'environnement, de meilleurs êtres humains et de bons dirigeants. Ceci est le pouvoir du yoga, et cela ne peut qu'être bon pour la planète. Travaillons donc ensemble vers cet objectif, avec pour commencer une journée internationale du yoga. Le 11 décembre 2014, l'ONU a adopté une résolution déclarant le 21 juin Journée internationale du yoga. 177 nations ont soutenu cette résolution. Un record dans l'histoire de l'ONU.